الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تقولي أبو الله سلكي في الدنيا بريفيليج pour nos vivants Ramadan. Nous proclame ce grand air, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, nous témoigner que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li Allah sous serviteur et Allah sous messager. Pour nous tirer la aujourd'hui, ce qu'il nous peut proposer, c'est référer nous-mêmes qu'on prend une dimension dans Ramadan qui est centrale, relation au Ramadan avec Ihsan. Ihsan en lui-même, c'est un mot qui est difficile pour traduire dans les autres langages. Quand nous guettons dans le dictionnaire, nous pouvons comprendre qu'Ihsan veut dire l'excellence, Ihsan veut dire la perfection, Ihsan, la beauté, l'harmonie, l'équilibre. Veut dire, il y a toute une série de concepts qui attachent avec sa notion de Ihsan. Et un parmi qui vient en force, c'est, la concept, c'est sa concept de beauté. Que l'islam, finalement, il repose sur une notion de beauté qui faut. Point de départ, Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il fait connaître qu'il est jamil, il est joli. Il est content de la beauté. Dans tout ce travail qu'il vient de faire, il a la perfection, il a la beauté, il a l'équilibre. Il a dit nous faisons décor, ça, le ciel. Qui est devant nous avec des étoiles. C'est qu'il y a un travail là, il y a en même temps une perfection, mais il y a également un sens de la beauté très poussé.
Dans création du monde, Allah dit لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. Nous avons créé du monde dans meilleure forme, dans plus jolie forme. Plus jolie forme. Pour guider du monde, Allah Ta'ala a envoyé un prophète qui est Uswatun Hasana, un super joli modèle. Uswatun Hasana, un super joli modèle. Ensemble avec ce prophète-là, Allah Ta'ala a envoyé un Coran qui lui-même dit caractérisé comme Ahsan al-Hadith. Allahu Nazzal Ahsan al-Hadith Kitaba. Allah Ta'ala a envoyé un dessin. Yusuf Ali Trajali, the most beautiful expression, plus joli message, plus joli expression dans le livre. Ça prend un assez plus joli expression. Pour dire que tout dans le travail Allah Ta'ala, tout caractérisé par la beauté. Et ça, Rabla, il est content de la beauté. Tout travail qu'il vous fait, qui grandit la beauté, qui amène un élément de beauté autour de vous, ou des récompenses. C'est pour ça, aussi impensable, aussi, le cas drôle qu'il paraît, vous faites un sourire. C'est un sadaka, ou une récompense. Ou fait beaucoup sourire, ou gagne beaucoup de récompense. En tout cas, pas comprendre ça. Regarde, c'est des religions. Au fait, c'est ça. C'est un drap qui est joli, et à chaque fois qu'il meurt, ou nous fait un effort pour amener la beauté à l'intérieur de nous, ou bien autour de nous, nous gagne récompense. Ou nous baigner, ou mettre un petit parfum, alors j'aime récompense toi. Parce que tu mets la beauté dans toi, tu développes dans toi le goût de l'esthétique. C'est ce qu'on appelle. Right? La beauté. Tout ça qui nous fait caractériser dans l'islam, tout caractérisé par la beauté. Finalement, la vie même, c'est une recherche de la beauté dans tout ce qui nous fait. C'est ça, Ihsan. Ihsan. Et quand ce point de départ, c'est ici l'homme ou celle-là. Quand dans le hadith Jibril, Jibril vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Ya Rasul, mal Ihsan, an ta'bud Allah ka annaka tarahu, wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. » Ihsan, la beauté, ce point de départ, c'est que tu adores Allah comme si j'irais te pétrouli. Et si toi tu n'as pas pétrouli, connais qu'il lit, il pétrouve toi. La beauté d'un namaz, la beauté d'un long sijda, un joli ruku, un joli sijda, un joli qirat, un joli qiyam. C'est la beauté qui commence là. Dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, il descend. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ta'ala. In ordonne zot al-adl, la justice égale ihsan. Dans ce premier niveau al-ihsan, il vient tout de suite après la justice. Ça vient envers dix mounes. Mon petit travail, mon commerçant, un dix mounes vient acheter un livre lentille. 15 roupies. Demain, 15 roupies, on vous donne un livre. 500 grammes. Ça, c'est la justice. Quand Balancène montre 500 grammes, Maurice, détruit la graine, 10 grammes, je mets en plus. Je donne 500 grammes. Ça, 500 grammes-là, c'est Adl. Ça, 10 grammes en plus, ça, c'est Ihsan. C'est Ihsan. Toute philosophie de la vie repose sur cette notion-là. Donne un ticket plus qu'il méritait. Moi, sans la toile, un dimon, c'est 5 mètres de la toile, il paye moi 100 roupies. Il paye pour 100 mètres quand vous bien mesuré, au lieu que vous donnez 500 cm, vous mettez 5 cm en plus. Quand vous donnez sur 5 mètres, c'est Al-Adl, c'est justice. Ça, 5 cm que vous donnez en plus, ça, c'est Ihsan. Ça, c'est un concept qui existe dans l'islam. Qui est ça. C'est ça qui amène la beauté, qui amène la bienveillance, qui amène l'amour autour de nous, à l'Ihsan. Vous nous redirez, comment ce point de départ, c'est dans nos namaz, dans nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut dire l'Ihsan. Il faut dire qu'il y a l'excellence. Dans mon ruku, dans mon sijda, dans mon lecture Qur'an, dans mon zikrullah, dans mon sadaqa, dans tout mon relation avec Allah, il besoin, point de départ, basé, l'Ihsan. Et verset Qur'an là, c'est un verset qui est extraordinaire. C'est un verset qui, à tout point, sa concept là même, c'est un concept faux, qui est extraordinaire, Ihsan, qui peut exister dans aucune philosophie, dans aucun message, dans aucune religion. Mais ce qui est extrait aussi important, c'est que par rapport à sa verset là, sur la 16, verset 90, une fois, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il y a en face de lui, Walid ibn al-Mughira, un de l'ennemi féroce, acharné contre l'islam, contre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Walid ibn al-Mughira, c'est quelqu'un qui est lettré, il connaît lire, il connaît la poésie. Il est bon dans la poésie. Il vient avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, récite-moi un tigit du Coran. Récite-moi un tigit du Coran. Parce que le Coran, là, c'est faux, ça. Je suis toujours dans la base, par sa Coran. Quand il révèle l'invine, par sa beauté qu'il a, par sa force qu'il a, par puissance, par sa mélodie, tout dans le Coran, qu'il soit
Et d'ailleurs, alhamdoulilah, dans le Ramadan, plusieurs sessions que nous mettons en face, nous bien faire des efforts pour découvrir la beauté du Coran. Le livre avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui a pris un paquet de sourds, qui a rime, qui a plus une sonorité. Non, le prophète qui a savé, c'est là. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dhil qurba, wa yanha anil fahsha wal munkar. والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وليد جت بروفيت تلي ريبيت سان كوت بروفيت ريبيتي وليد ابن المغيره لنمي اشان الاسلام قران بروفيت لي جان بارول والله ان له لحلاوه با الله ان لا دون لا دوسور وان عليه لطلاوه ان لا دون لو شارم ان غراس une distinction à part. Et les conditions, wa innahu la ya'lu wa la yu'la. C'est un quelque chose qui domine, qui pose toujours là-haut. Puis il n'y a rien qui peut dominer. Et il termine par dire, wa ma yaqulu hadha bashar. Ça n'est pas capable d'un humain qui dit ça. Pas capable d'un humain qui dit ça. C'est un inversé Coran. Par la force de son expression, par le concept qu'il y a là-dedans, il y a un abazoudi. Mais c'est pas par son fanatisme, par son propre fierté tribale, Zameli pour embrasser l'islam. Et l'ennemi acharné l'islam. C'est pour faire nous comprendre qu'il nous manque où, qui quantité nous n'a pour faire des efforts pour nous récompenser la beauté de nos dînes, la beauté de sa Coran, la beauté de l'enseignement de sa prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sa ihsan là, nous devons s'envoyer lui, il commence dans le masjid, nous redire, l'homme sallallahu, et nous devons amener dans la société. Donne-moi un petit plus qu'il mérite. Donne-moi un petit plus qu'il mérite. N'importe quoi nous était. Dans la 15, dans masjid, dans société, envers moi, travailler, essayez de donner un petit guide plus qu'ils ont mérité. Et surtout dans l'enseignement de l'islam, ce qui vient encore, vient grandir, beauté sa dîne là, c'est qu'il nous faut bien moins qu'où, face à quand Dimoun, quand la société attaque ou avec de façon plus vilain qu'il y a. Quand Dimoun vient agresser ou avec lui démontrer ou partie plus vilain de son personnalité. Quand il montre tout son laideur, quand il vient avec quoi, avec tout son horreur, il vient agresser ou il vient insulter ou pour bien répondre par la beauté. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait face, il peut maltraiter, il peut insulter, il peut zouler, il peut blesser, verset Coran qui dit Wahjuruhum hajran jamila. Jamil, imagine ça, Jamil veut dire joli. Écarte-toi des autres dans la beauté. Face à autres l'insulte, zot maltraité, zot ban calomnie, zot ban ribat qui zot peut faire, ban propagande zot peut pour salle de réputation, pour dire t'es un magicien, t'es un sorcier, t'es un menteur, répond zot, écarte-toi des autres dans la beauté. Wahjuruhum hajran jamila, montre zot, iman, qui quand tu fait un djimoun noble, un djimoun distingué, un djimoun avec un caractère sublime, qui te repousse la laideur par la beauté, te repousse par le plus vilain de zot personnalité par la beauté de ton caractère. Et c'est ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait, et c'est ça que nous ne sommes pas capables de faire. Deuxième phase, quand cette phase-là, on commence à faire un plan pour finir le prophète là-même. Quand là, en face de lui, il y a pour faire face à l'hypocrisie du monde, il y a pour faire face à la mesquinerie du monde, il y a pour faire face à l'âcheté du monde, verset Coran descend, Fasfah et Safh al-Jamil. Subhanallah. Pardonne-nous, un joli pardon. Ben la bébé plan pour tout lui. Je vais massacrer ce bon compagnon. Mais quand il se descend, fas fahit saf al jamil. Pas juste pardon nous autres. Pardon nous autres, un joli pardon. C'est ça qui est moins que nous demandons de bien capable faire quelque chose de haut. Nous sommes capables de bien capable affronter. Ben j'ai mon autre lâcheté. Ben j'ai mon autre méchanceté. Ben j'ai mon autre hypocrisie. Par la beauté de nos capacités pardonner. Et pas faire erreur. Ou pas besoin de l'hypocrisie là. Lâcheté dans Israël. Ou bien dans Washington, ça, dans la 15. Parmi les gens qui mettent hijab, les gens qui font namaz, les gens qui viennent crier à Moulaïl. Dans nos masjid, avec les gens qui mettent badjou, qui mettent la bob, qui mettent amama. Ou pour rejoindre la lâcheté parmi les gens. Mesquinerie, l'hypocrisie. Parce que c'est ça le destin de l'humanité. C'est ça qui, moi, et où nous n'avons pas fait face. Pas fait erreur. Après un mois de Ramadan, ni moi, ni où nous pouvons venir un petit descendant d'Jibril dans l'islam. Nous pouvons venir un petit ange, nous pouvons être un humain. Avec tout ce qu'il y a de noble, de pur, de bon, et avec tout ce qu'il y a de cabossé, de travers. Mais face à ça, ce que l'islam dit à nous, face fahis saf al jamil, pardonne.
méchanceté de ton cousin. Pardonne lâcheté de ton voisin. Pardonne l'hypocrisie de ton monde qui fait des mains ensemble à toi. Parce que c'est ton humain finalement. C'est qui Hassan pousse nous jusqu'à tel point qu'il nous reconnaît à ton monde le droit à l'erreur. Moi reconnaître à toi le droit pour blesser moi. Et moi, je pose dans moi-même sa droit pour pardonner toi. C'est Hassan de cette dimension plus noble qu'il y a. Quand la situation est invivable, pas capable de supporter et n'a pour séparer, un mariage qui n'est pas marché, un partnership qui est écrasé parce qu'il paye la confiance, Allah dit Wassarihun sarahan jamila. C'est pas eux de la beauté. Subhanallah. C'est pas eux de la beauté. Quand la situation est insupportable aussi, c'est pas avec ça que je dis de la beauté. La beauté de la rupture. Trois phases. Capital, quand ça vient en force, c'est capacité pour prouver à l'humanité qui contient l'islam, fait moi venir un djimoun qui est noble, qui a une grâce, qui a une distinction. Et quand on retrouve, il passe sans théorie, bout en bout dans la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il vient démontrer ça. Également, les sahaba autour de lui. Quand il retrouve en face de lui un rabbin juif, Zayd ibn Sana'a, un rabbin juif qui est bien riche, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il prend 20 kilos de tam prêté à lui. Tu n'as pas dit mon misère. Le prophète prend 20 kg de temps prêté avec lui, une partage de Bandimoun. Tu as un contrat, tu besoin rembourse sa loan là. Bien avant terme, Zayd ibn Sama'a, il vient dans un majlis contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est entouré avec son compagnon, il est entouré avec son compagnon, il est entouré avec tout. Et là, il vient de gagner courage pour lui agresser le prophète devant son tour. Oh Mohammed! Il dit, oh Mohammed! Quand tu peux payer ton loan, avec un ton, il vient une trappe prophète pour son manteau qui est dans le lit, il interpelle Mohammed, quand tu peux payer ton loan, ça va être choqué. On va mettre un tab, il y a le soldat, on va mettre un tab, si mon pas père, qui t'en suis mon père, une place dans le paradis, toi tu prenais qui moi. Le prophète arrête, on va mettre un tab. Tu dis, non, pas faire ça, petit bizin, rappelle-moi, pour rembourser ce loan. C'est un loan qui n'est pas pour nous dire, il dit, Omar, tiens d'abord tout le mal, retourne-lui 20 kilos tam. Et donne-lui 20 kilos tam en plus parce qu'il te fait l'IPA. Donne-lui 20 kilos tam en plus parce qu'il te fait l'IPA. Subhanallah. C'est ça, Ihsan. Un djimoun qui vient avec tout ce, nous capable de dire tout ce, l'arrogance, il vient à Grèce, prophète, dans ma zid de Dabawi, devant son compagnon, prophète fait lui sortir avec Baxis, avec un jackpot. C'est ça, Ihsan. C'est ça le message que Ramadan fait nous rappelle. Bout en bout dans Ramadan, ça qui nous comprend, ça qui nous vive, c'est toute une série de leçons qui nous viennent apprendre dans Ramadan. Un parmi là-dedans, nous viennent apprendre, sacrifier nos droits pour nous gagner l'amour d'Allah. Ce n'est pas un petit quelque chose. Ça. Nous apprenons une leçon fondamentale. Pendant 29 jours, nous sacrifions nos droits, manger, boire, prendre des aînés, quand l'île Maurice en entier. Peut prendre ce déjeuner et il y a un groupe de monde qui dit non, je ne pas pour manger, je ne pas pour boire, je ne pas pour rentrer dans le restaurant, je ne pas même tant en moi parce que mon comme je dirais, mon quitte sa droit à manger, je fais plaisir mon rab, pour me gagner sur l'amour. Ce n'est pas un petit quelque chose. Droit pour manger, c'est un droit qui reconnaît, c'est le droit plus fondamental que vous avez comme un être humain. Pas un être humain, mais même un animal a ce droit là. Il y a une madame pour gagner l'enfer parce qu'il prend une sat, il a tassé, il prend de lui manger. C'est un droit fondamental, inaliénable, qui nous capable de dire, qui tout créatif est là, ce droit-là, moins où nous sacrifions pendant 12 ans pour nous gagner l'amour là. C'est ça la leçon, madame. Pour nous gagner l'amour, pour nous créer l'amour autour de nous, nous devons apprendre à sacrifier nos droits. Pour nous produire l'amour autour de nous, nous devons être capables de sacrifier nos droits. Aussi longtemps qu'il nous pourrait cramponner, ça c'est mon droit, ça ne peut pas toucher, ça c'est mon prérogative, ça c'est mon priorité, nous ne sommes pas capables de produire l'amour autour de nous. Si nous avons envie, dans nos quinze, dans nos masjid, dans nos sociétés, dans nos voisinages, produire l'amour, nous pouvons être capables de comprendre sa première leçon que nous avons donnée dans nous. Accepter d'un monde plus qu'ils ont mérité, et nous prenons un ticket moins qu'ils nous méritent. Ce qui, par là, nous comprenons sa logique. Qui permet l'amour, nous sommes capables d'accepter, faire compromis dans nos droits, accepter, faire concession dans nos priorités, accepter, donner les autres préférences de nous-mêmes, accepter,
qui dans Bisla ou Djibout, les autres assisés. Accepter qui dans la 15 ou madame mange la cuisse ou mange les îles. Accepter qui gagne 5 samoussa ou mange des ou madame prend 3. Facile pour dire en théorie ça. Après ça réamène sa dimension de tout nous la vie. Et nous trouvons, c'est ça qui est l'enseignement fondamental, le message social de l'islam, cette dimension sociale, il repose dans sa vérité-là. Quand vous êtes dans la pratique, nous disons, nous débordons des cas théoriques, dans la pratique, comment il y a le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il récit transforme une société. Un ban arabe qui s'y détruit un à l'autre. La guerre pendant 40 ans, juste parce qu'un samo, il rentre dans le territoire, une autre tribu. La guerre touillée, écrasée, violée, brûlée. Quand papa Pemo, il appelle ce garçon, il dit comme ça, donne-moi une seule promesse. Qui promesse? Qui te continue ça la guerre là, tu ne peux pas arrêter. De génération en génération, c'est la guerre pour un pécadji. Sa génération là, après passage, un seul dimon, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous retrouvons un événement extraordinaire qui nous tout connaît dans, après une bataille, un sahaba, puis agoniser dans sa crade. Son neveu est venu, les troulis, il est en ce tcha-tcha et crier de l'eau. Il y a le rôle de l'eau pour lui. Quand il vient donner sa première, quand il vient donner son tcha-tcha, tcha-tcha, t'as un autre dimon crier de l'eau. Il fait des signes. Il dit, donne là-bas. Il y a le coup de deuxième dimon là. Là, il donne deuxième dimon là de l'eau. Il t'en a un troisième crier de l'eau. Deuxième là, il fait des signes. Il donne troisième là. Là, il vient le troisième là, il finit mot. Il redonne le second, il finit mot. Il redonne le tcha-tcha, il finit mot. Ce n'est pas théorie ça. C'est la pratique. C'est ça l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il produit. Un liquide qui produit l'amour. C'est sa véritable artisan du cœur. Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il fait un ban liquide rose, un ban liquide sec, un ban liquide qui est plus sec que sa désir de l'arabie là, vient une véritable fontaine de l'amour. Pas un enseignement qui est basé sur la beauté, qui est basé sur l'amour. C'est ça, achievement, réalisation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous lisons dans l'histoire, un djimoun anonyme, simple sahaba li gagne la tête mouton en sadaka. La tête mouton. Quand il parle content, petit misère. Quand il parle cuisson, il m'a dit non, non. Il m'a dit voisin là-bas plus mérité que moi. Il prend la tête mouton, il n'y avait que de voisin. Voisin numéro un, quand il gagne ça, bien content, remercie Bailan. Là, il parle cuisson, non, non, il y a un autre qui plus mérité que moi là-bas. Il prend ça, il y a le voisin numéro 3. 3, 4, 5, 6, 7, il retourne avec le premier du monde qui gagne la tête mouton. Du tourner. Pensez, mais quelle logique ça? Ils ont toute une misère. Ils ont toute une misère. Mais c'est là-dedans, il y a un véritable secret. Comment manière ça va en sahaba, recevoir la génération modèle. Qui Allah t'a dit, radiyallahu anhum wa radu an. Une génération qui Allah t'a satisfait avec eux. Et eux sont satisfaits avec Allah. Une génération qui vient la fierté de toute une ummah. Comment manière ce secret tout d'un petit bout de verset, soit 59, verset numéro 9. C'est un secret là qui m'a écouté dans ma dame, il m'a enseigné nous. ويؤثرون على انفسهم سبحان الله تي دون لي زوت بريوريتي لو زوت ميم سبحان الله تي دون لي زوت بريوريتي لو زوت ميم دونك توجور لا في اسكا دان لامور اسكا دان لامور زوت تي كون دون لي زوت بريوريتي لو زوت ميم دان لا فين دان لا بوفريتي دان لا فامين كان بوز فيد كان ديك تي فيد زوت جي نو ان لوت كي بري ميريتي كي مو دون لي سي سا فيريتابل احسان احسان دو سي ديمونسيون بلي نوب كينا. C'est qu'il doit arriver à comprendre qui promène l'amour, promène l'affection, promène tendresse dans nos sociétés. Nous vous allez retourner à la base, récompense à la notion d'Hersan. Réci comprend qui dans mon vocabulaire, vous allez tirer ça mot priorité. Vous allez tirer ça mot qui appelle privilège. Faut de pas qu'il tout le temps me concevoir moi comme dit monde qui m'a besoin d'un meilleur traitement dans mon la 15, m'a besoin d'un meilleur manger dans mon la 15, m'a besoin d'un meilleur morceau, m'a besoin d'un meilleur place pour dormir, m'a besoin d'un meilleur traitement VIP. Parce qu'il me travaille, parce qu'il moins nous hommes, non. C'est que l'islam dit, c'est le contraire. Le contraire. À cause, mon lié sa kalimala, moi accepter, donne les autres priorités, donne les autres préférences de moi-même. Faire que les autres désirs passent avant mon désir. Faire que les autres les besoins passent avant moi mon besoin. Faire que les autres préférences passent avant moi-même. C'est là qu'il nous comprend, Soura. Wallail. Dans ce domaine, c'est un sourd extraordinaire. Il faut nous comprendre qu'il s'arabe, qu'il est tout centré autour de la beauté. Qu'il est dans sa dunya là, et un lalit. Un lalit en deux groupes d'immunes.
Qui c'est des groupes du monde là? Un groupe wasaddaqa bil husna, man qui croit dans la beauté. Et un deuxième groupe wakazzaba bil husna, man qui refuse reconnaître la beauté. Entre ça des groupes là qui n'ont la lit. Et si nous nous envie, si nous nous envie vivre dans ce groupe du monde qui croit dans la beauté, qui nous a fait parce qu'il nous a refusé. C'est l'autre groupe là qui a dit wa amma man bakhila wastaghna, c'est lui qui lit avant. C'est lui qui tout le temps ne peut pas en sentir. Soban droit, soban priorité, soban privilège, soban prérogative qu'il y en a. Ça dit, moi là, il est loin. C'est un ennemi de la beauté. Si nous avons envie, retourne à la base, réamène la stabilité dans nous la case, amène l'harmonie, amène l'équilibre, amène l'amour. C'est qu'il nous bien capable de comprendre qu'il dans nos leçons de Ramadan 2016, nous pouvons apprendre, faire que les autres, nous avons priorité les autres, nous-mêmes. Fait que les autres, sous préférence, passent avant moi. Fait que les autres semaines droit passent avant moi. Fait que les autres désirs, les autres besoins, les autres plaisirs passent avant moi. Par exemple, dans Ramadan, bout en bout, fondamentalement, qu'une fait, nous fait plaisir. Allah passe avant moi. Fait plaisir. Allah passe avant moi. La faim, mon la soif, mon confort, mon repos, mon dormi, bout en bout, traduire ça pendant ça. 11 mois qui restait là, faire qui dans la réalité, mon récit comprend même sa dimension qui fait qu'Allah ta'ala, haine, qu'Allah ta'ala, ce plaisir passe toujours avant tout le reste, et dans vos relations avec la société, acceptez qu'il les autres. Commence par donner les autres un petit peu qu'ils ont mérité, pour venir à sa ultime, stade ultime, côte, nous d'accord pour donner les autres et la priorité de nous-mêmes. Ça, les autres là, c'est dans nous la 15 avant, c'est dans nous Bastille, dans nous Masjid, parmi l'amour, parmi la fraternité. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc c'est un petit rappel par rapport à la notion de ihsan. Et comment nous allons dire ihsan, c'est un concept qui existe à l'islam. Peine aucun les autres philosophies que debout ce concept là. Et surtout pas dans une société aujourd'hui que tout mettre en face de au droit, la guerre pour droit, la guerre pour droit comme femme, la guerre pour droit comme enfant, la guerre pour droit comme travailleur. Ce que l'islam dit maintenant, c'est qu'ils vivent dans haine. Retourne dans sa dimension, côte là, dans tout 24 côtes, surtout trouver en position de force, accepter faire compromis de droit, accepter renonce à ouban prérogative, à ouban privilège, la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Finalement, quand nous guettons l'histoire, nous trouvons que Ihsan, c'est ça qui fait un miracle sur la terre. Quand nous guettons beaucoup de place, nous prenons l'Afrique de temps, nous prenons l'Indonésie, par exemple, qui se donne une cité. L'Indonésie, c'est un pays qu'on a 700 l'île. 700 l'île fait l'Indonésie. Vous êtes après 200 dialectes. Mais les musulmans ont conquéré l'Indonésie sans qu'il y ait un soldat là-bas. Mais qui ont conquéré l'Indonésie, il y a sur l'histoire. Qui a amené l'islam de l'Indonésie, c'est un commerçant sorti Gujarat et Yémen. Il a fait business carotte sous. Ça a dit qu'il y a un sens de l'Indonésie. Par qui? Par Ihsan. Par Ihsan. Ihsan, langage Ihsan, c'est le langage plus faux qu'il y a dans le monde, ça. Parce que c'est le langage du cœur. Ihsan, c'est ça langage qui même dit monde sourd capable d'entendre. C'est langage qui même les animaux capable comprendre. C'est ça langage qui est capable conquérir les qui est plus féroce qui existe sur la terre là et ne conquérir par la force de Ihsan. Donc nous ce qui nous besoin moins ou réamener cette dimension là dans nous la vie tous les jours. Et comme conclusion, nous ne passons pas de madame tout grand Dieu parlant, un moi qui reste un mystère. Un mystère et pour bandi monde à l'intérieur musulman et pour non musulman. Quand nos musulmans guettent nous, qui possible? Comment est hein? Un mourat, un repas, un décédé mouraté qui arrive troisième au sentiment affamé. Mourat dans le restaurant, me dit, bon, qu'est-ce qu'il y a pour manger là? Hein? Puis, si il y a une boîte de biscuits, quand même des jours, quand même des semaines, pas finalement affamé, on rentre la carte de madame, ça qui est natif dans vos idées, pas passe dans le micro-ondes. Moi, extra fin, 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 moi, pas une décédé aujourd'hui. Tout le monde, tu pas une décédé qui fait? Patron, un harami, un pharaon, on rate une décédé ou aller être dounia net entier. Ici, on fait 12 temps pour l'au-delà. Et personne ne peut pas dire qu'il a senti ce sentiment de faim extrême comme on a senti qu'on aura un désir de haute, madame. Ça, c'est un miracle, madame. Nous pas essayer de comprendre. Nous pas pour comprendre. Nous pas essayer d'expliquer nos camarades non musulmans quand nous-mêmes nous pas comprendre. Nous plus pas comprendre quand nous réalisons qu'il y a dans le 2016, dans Oxford,
dans Coventry, dans Brest, dans la France, et nous avons 5 ans qui ne restent pas dans 19 ans. Ni. Dans aucune logique ou pas qu'avec ça. Pas qu'on explique comment manière dans un pays golf, dans une température extrême, ou dans un tchatcha reste 1 an et demi, 2 ans dans le Tuyamou Leil. Et dans un stade où il finit, aller manger une petite affaire, revenir énergie matin, faire ce qu'il y a de par contre, explication avec nos petits logiques, avec nos petits regards cartésiens, nous ne pouvons pas lire. Nous ne pouvons pas expliquer encore quand aujourd'hui, on va nous compte qu'il y a un l'Office des Nations Unies qui occupe les réfugiés. Dans cette statistique, je dirais que les musulmans, sur Zakat dans le monde, il arrive 1 trillion $. Trillion. Je veux dire, 1 avec 12 zéros. La tête même vient pas là pour expliquer ça. C'est 1 000 milliards $ que les musulmans tirent donne pour alleviation of poverty, pour la guerre contre la pauvreté dans le monde. Et la cour l'a fait comprendre, c'est 15 fois plus qu'il n'importe qui sa planète là en entier pour combattre la pauvreté. Une communauté qui représente 20% de sa planète là, 20%, et beaucoup dans la misère extrême, je dépense 15 fois plus contre la pauvreté qui sa planète là en entier, avec sur l'Amérique, avec sur la Chine, avec sur la France, avec sur l'Union européenne, contribuer pour la guerre contre la pauvreté. Nous dépensons 1 trillion $ par année. Même dans Maurice, nous n'arrivons 100 millions par système de madame. Imaginez-nous, avec une facilité extrême dans un sortirant pour pauvreté, un azur où tu as un bœuf peut crier 13 côtés, ou dire Bakrid, non, pas Bakrid, il ça. Puis couper pour donner une pauvre. Un foisonnement d'initiative, une générosité envers les autres, sans pareil. Et puis, il y a un communiqué qui sort, il y a un service fini, il y a une taxe avant Eid, et il y a un pénalty. Et il n'y a pas besoin, il n'y a aucun communiqué, volontairement, qui fait? Parce que nous rendons l'autre logique. Ça, madame, là, nous redire, par contre, comprendre, madame, avec nos petits regards, avec nos petits logiques, avec nos petits mathématiques, il s'en fait des non. C'est que, madame, nous ne pas comprendre au centre, dans la madame, ça que nous vivons avec l'énergie. Qui dégageait pour nous l'équerre. Ça tient chacun djibout. Pendant 1 an et demi, il n'y a pas de djibout avec l'énergie de ce l'équerre. Il djibout avec l'énergie de ce l'équerre. L'énergie qui produit par une l'équerre contre l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa plus grande vérité, Ramadan. C'est qui? Sa chifi qui garde rosa, sa kala qui est malade 70 ans, mais il récite un mois de rosa, personne parmi nous peine garde rosa, basé le gros cerf, nous dit pas baguette, ou bien pas quand c'est boîte 8 abix, nous ne mangeons pas ça moi là. Même sans série, où tu peux garder même qualité rosa. Parce qu'on vit avec l'énergie de l'équerre. On vit avec l'énergie qui est l'équerre qui produit l'amour pour la dégrader. C'est ça qui est la réalité que Ramadan fait nous comprendre. Nous, comme si nous avons l'auto hybride. Vous voyez, hybride, on a le fuel mode, on a le electric mode. Dans Ramadan, nous aussi pareil comme hybride, nous pouvons fonctionner avec l'énergie de nous l'équerre. Nous pouvons fonctionner avec l'énergie de nous l'équerre. Ramadan vient montrer nous tous ici la puissance de nous l'équerre. La puissance, l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivons, nous travaillons, nous fonctionnons comme abisins, comme professionnels, comme artisans, comme poser bloc, comme poser mob, avec l'énergie de nous l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, plus grande forme l'énergie qui existe sur la terre. Ça. Plus fort que l'énergie fossile, pétrole, charbon, gaz, éolienne, vague, c'est l'énergie qui est dégagée par un l'équerre contre l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah dit, « Inna ladhina amanu wa amilu salihad, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. » Pour ban, qui amène l'iman, et qui fait bon travail, Ar-Rahman pour accorder l'amour. C'est ça la quatrième dimension. C'est ça la quatrième dimension dans laquelle nous opérer pendant ce mois-là. Ramadan nous enseigne une série de vérités qui est important. Il est important pour nous nourrir nous les corps. Mais il est 100 fois plus important pour nous nourrir nous les corps. Avec Zikrullah, avec Naman 5 fois par jour dans le solaire, avec les Tchèques, c'est plus grande forme l'énergie qui existe. Ça. Plus grande forme l'énergie qui existe. Qui manque où? Ce qui nous applique en tant que musulmans pour fonctionner plus avec l'énergie de nous l'équerre. Opéro on the heart mode. Ça pense que ça, il amène sa véritable bonheur dans la vie. Ce qui Ramadan nous enseigne, qui manger est important. Manger pour nourrir nous les corps, mais si pas nourrir nous les corps, il est encore plus important. Ramadan nous fait nous comprendre qu'il nous adresse que nous rab, oh mon rab, mon soif de l'eau, ya rab. Mon besoin de l'eau pour me vivre. Oh, mais oh mon rab, mon soif de l'amour. Parce qu'ils m'ont besoin de tout l'amour pour prospérer l'eau d'Onia et dans l'Akharat.
Nous demandons à Allah fait que nous tous ici, nous réussissons à soyer jusqu'à dans l'an de Ramadan, c'est une vérité qui s'envoie à une vine. Enseigne-nous et qui nous réussit capable de continuer à fonctionner avec l'énergie de nous l'équerre. Qui nous fait qu'en dans sa 11 mois qui vient là, nous continuons à nourrir nous l'équerre avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous réussit à comprendre qu'il y a une plus grande source d'énergie qui permet de fonctionner d'une façon efficace et efficiente. C'est quand nous, quand là, nous sommes powered by the love of Allah. Quand là, nous fonctionnons par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qu'il est capable de venir. Amen. Effectivement, ça ressemble là autour de moi. Allahumma inna nas'aluka hubbak. وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وإيمانا كاملا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي كشمير وفي الشام وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وأينما يكونوا مظلومين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا سميع الأصوات يا رفيع الدرجات اللهم تقبل منا دعاءنا وتوبتنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور قلوبنا بنور التوحيد اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم نور حياتنا بنور الإحسان اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصل اللهم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشكر الله على نعمه وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. Avant qu'il nous quitte le micro, au nom de l'Islam du Matul Moussali, nous souhaitons de tout, et de toute famille, et de madame, Mansour Kilao, et toute la famille, et de Mouarak. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum.